Bonjour frère Maxemio et merci d'être branché sur channel pour là TechPam 509. Nous connons ça déjà. Non pas c'est Robert et jodia nous pour parler des nouveaux Xbox ça. Sous son monde qui a demandé tête tout. Qui nouveau console qui est de yoa qui a bon bonjour de graphique. Un bien jodia nous pour nouveau Xbox série S ça. Nous pour voir bel petit avantage qui vient avec yo avec toute l'autre belle bagarre ou t'a fait sous lui. Donc on nous suivre. Avant de commencer, sous nouveau sous channel ça m'a invité abonner sous channel la TechPam 509, cliquez sur subscribe ou bien abonner pour capable rester au courant de nouveaux vidéos n'a pour sortir. Xbox Series S, je nous capable d'aller là, c'est nouveau Xbox qui développé par Microsoft. Microsoft a fait Xbox depuis longtemps et ça c'est un nouveau modèle Xbox qui sorti qui est Xbox Series S là. Xbox Series S là sorti en novembre 2020 qui s'est passé. Et puis tout, il sorti avec une autre version pareille qui est Xbox Series X. Xbox Series S lui-même, on va prendre compte que il vient en couleur noire, tandis que Xbox Series S lui-même, on va prendre compte que il vient en couleur blanc. J'en capable garder là, Xbox Series S très petit. On va prendre compte que le câble là même, il est très léger et il est facile pour transporter. C'est avantage ça nouveau Xbox ça bail. Non seulement il est petit, il est 60% plus petit par rapport avec l'autre Xbox qui sorti là qui est grosseur. J'en capable garder là, on prendre compte que le pas prend CD. C'est premier Xbox qui pas prend DVD. Sous besoin je jouer sous Xbox ça, c'est sur internet pour connecter pour télécharger jouet pour capable jouer. Avantage qui vient lié avec le fait que le pas prend CD. On prendre compte dans monde n'a vu aujourd'hui à son monde qui pratiquement a éliminé CD. C'est pour ça on sort une nouvelle version ça parce que nouveau version ça le fait que pas procéder, c'est une introduction à le monde digital, c'est-à-dire côté tout bagage ou rien qui t'a supposé sur Xbox, ça c'est sur internet pour aller chercher. Xbox Series S, même le Wild Pity, il est très puissant. Il vient avec un processeur qui a 8 cores là-dedans qui vient faire Xbox ça très rapide là jouer sous lui. En plus de ça, il vient avec un memory RAM qui a 10 Go là-dedans, donc il est capable l'autre jouer très rapide. Xbox ça vient avec tout, il y a SSD hard drive là-dedans. Hard drive SSD, ça veut dire c'est solid state disk. Solid state disk là, c'est un hard drive qui est capable de faire copier plus rapide sous lui. Lorsqu'on fait copier sur hard drive ça, ou pas besoin de faire un pile effort, là capable de faire copier plus rapide dans quelques secondes. Donc, le fait qu'on ait un hard drive ça, en dans Xbox ça, il permet de l'autre jouer plus rapide longtemps passer toute l'autre Xbox qui sort si yo. On va prendre compte que Xbox ça tout, il supporte 4K. C'est-à-dire, soit regarde un film qui a une résolution 4K, Xbox ça peut rouler sans problème. Mais pour jouer, il supporte une résolution jusqu'à 1440 pixels. Résolution ça belle en pile, c'est résolution qui est plus proche de 4K. Mais on va prendre compte que Xbox Series X lui-même, il sorti avec résolution 4K normale. C'est-à-dire, jouer qui sorti en 4K, il peut rouler sans problème. Premier avantage nous pourrons parler qui vient avec nouveau Xbox S là, c'est Quick Resume. Donc, ça Quick Resume là, Quick Resume là, c'est capacité Xbox ça ba ou pour capable jouer plusieurs jouets sans qu'on pas besoin l'audio plusieurs fois. C'est-à-dire, si nous tape jouer un premier jouet et puis me décider à jouer l'autre jouet, l'aime décider retourner dans premier jouet moi tape jouer, la mettre exactement côté m'étais dans jouet là. C'est première fois Xbox développé capacité ça pour capable mettre un jouet sous pause et puis pour retourner sous lui l'ouvrir et puis la mettre exactement dans la partie où tu es capable là moi a jouer un jouet et puis moi prêt quitter jouet là moi prêt choisir un autre jouet que m'tape jouer déjà m'a pas ni cliquer sous lui et pour pouvoir le mettre exactement côté TIA. Donc c'est ça le Quick Resume. Avantage ça, il est très important parce qu'il permet tout jouer en paquet de jouets sans qu'on pas besoin chaque coup ouvert jouet là, obligé ouais jouet là pris l'autre toute saleté l'eau d'avant ou après le mettre dans exactement côté TIA, dans exactement partie où TIA l'autre pour jouer ça. Donc son gros avantage que qui vient avec ni Xbox Series S là avec Xbox Series X ça. L'autre avantage Xbox ça gagne, c'est le fait que il t'a joué multimédia 4K. C'est-à-dire selon application qui joue multimédia telle que Netflix, Hulu, YouTube ou bien Disney Plus, ça dépend de l'application à jouer, en bien sur Xbox ça kounya ou kadat film 4K sous lui. C'est une plus grosse résolution qui gagne dehors en moment. L'autre Xbox ça, il permet tout jouer vidéo qui en 4K, c'est-à-dire vidéo qui très bonne qualité. On l'autre bel avantage qui gagne tout, on rend compte que il est très léger.
Mais non seulement ça, il vient avec une option qui est le Game Pass. Xbox Game Pass, c'est une subscription que Xbox fait pour les gens qui ont Xbox même. Vous prenez compte que depuis des subscriptions, vous avez accès avec une grosse librairie qui a un paquet de jouets là-dedans, près de 100 jouets Xbox qui fait pour Xbox même. Même ancien jouet Xbox, le nouveau Xbox, ça a joué. Donc, vous pouvez jouer tout jouet ça au gratis depuis des subscriptions Xbox Game Pass. Là, plutôt moins scrub si vous achetez subscription au lieu de vous acheter jouet individuellement. Dans près de centaines de jouets que Microsoft développe, ou ta joué dans l'autre j'en voulais et puis ou installer jouet ou voulez jouer à sans problème, sans qu'on paye pour payer pour lui. Ah mais c'est ça Game Pass by Game Pass son bel avantage. Moi-même c'est un raison de faire mes jouets Xbox, c'est pas celui qui a avantage ça qui est le Game Pass. Dans Game Pass ça, on fait une bonne belle jouet que c'est seul Microsoft qui développe. Yo un jouet ça que moi mais en plus c'est Microsoft Flight Simulator. Microsoft Flight Simulator ça lié son jouet avion côté yo montre piloter avion. Jouet ça très intéressant, donc sous le Game Pass on peut jouer gratuit sans problème. Et puis nouveau Xbox ça capable rouler en haute définition 1440p me te parler là. Yo un avantage que Xbox by c'est le fait que il y a un paquet de nouveaux jouets pour capable jouer seulement sur Xbox. Sorti sur Gears of War, rivé sur Forza Motorsport, rivé sur Forza Horizon, wap jouen Quantum Break, wap même jouen Halo tout, toute série Halo yo, c'est sur Xbox tout à jouer yo. Donc son gros avantage sur Xbox bien que depuis bien Xbox, wap ka jouer des séries de jouets qui pas sur PS5, qui pas sur PS4, c'est seulement sur Xbox que wap ka jouer. On l'autre bay moi mais Xbox ça tout, j'en capable là un design bien particulier. Sous regarder là avec là ou après c'est la système de ventilation. Le système de ventilation Xbox ça, il est très silencieux. Là où vous voulez jouer sous lui, à peine sous tendil. Contrairement à l'ancien Xbox, le nouveau Xbox ça pas fait bruit même. Pratiquement, là joue avec le lumière, il y a un bon système de ventilation là-dedans que là joue, il est pratiquement silencieux, il pas fait bruit du tout. Il y a l'autre barrière que moi mais à nouveau Xbox ça, c'est nouveau manette qui vient avec là. Nouveau manette qui vient avec là, vient un paquet de belles couleurs. Ou regardez là, ça c'est version blanc. Mais dans nouveau manette ça, ça moun yo ajouté, yo ajouté une nouveau fonction. Nouveau fonction ça, ça le permet tout avec un grain de bouton seulement qui c'est bouton mitan ça que yo ajouté sous manette là ou capable faire photo soit jouer. C'est-à-dire si m'a joué jouet et puis besoin font capture d'écran, besoin faire photo ou bien besoin enregistrer vidéo de partie ça m'a joué, m'a pas pesé bouton ça et me kembel sans lâcher et puis l'a tout faire photo et puis l'a enregistré sur Xbox ça moi. Nous trouvons c'est une nouvelle option qui est très intéressante dans le nouveau Xbox. Des fois à jouer ou font belle action et ou t'aimé enregistrer action sur faire en bien nouveau manette là permet de faire ça grâce à petit bouton ça. C'est celle là nouveau Xbox sur le gain et me trouver très intéressant. Nouveau manette là tout, il gagne même concept là. C'est pile li prend. On prend compte que si mauvais derrière là, on prend compte que les pile. Moi même personnellement, c'est pile rechargeable moi utiliser. Donc les mettre pile rechargeable là-dedans, depuis pile là dit charge, moi a juste retirer pile là, moi capable mettre charger et puis l'elfin full, moi remettre la manette là. Laisse ça, moi pas besoin acheter un paquet de pile, l'elle pas des pile encore. Pile rechargeable là-dedans, pile à avantage ou bientôt ou ka acheter une petite batterie qui fait pour lui-même qui permet lui ou pas besoin d'en retirer là-dedans ou prendre mettre chita là-dedans et puis la charger pour lui directement dans manette là étant. Puis belle bah moi mais avec nouveau Xbox ça, c'est le fait que il capable l'autre jouer tout plus rapide avec un drive qui vient sous lui, un drive SSD qui vient avec là ou lui permet lui l'autre jouer tout plus rapide. Ou prendre compte que dans vidéo ça Xbox S là a pour l'autre même jouet qui a joué sur Xbox One là qui c'est ancien Xbox ça, on prend compte que Xbox S là 4 fois plus rapide que Xbox ancien Xbox qui s'est sorti. C'est-à-dire ancien Xbox ça qui prend près de 52 secondes pour l'autre d'un jouet, on prend compte que nouveau Xbox ça prend seulement 12 secondes. Ce qui vient faire 4 fois plus rapide que ancien Xbox ça. L'on regarde bien, on prend compte que nouveau Xbox ça prend seulement 12 secondes pour l'eau dont jouet, tandis que si mettez même jouet là sur Xbox One, on prend compte que il prend 52 secondes. Ça vient bon que Xbox One là pile et Xbox S là est plus rapide de 4 fois plus parce que là pour l'autre jouet, là pour l'autre 4 fois plus rapide que jonté contre l'autre sur ancien Xbox One là. Si on compare la prix, on prend compte que non seulement il a même puissance avec nouveau PS5 là, mais il est plus bon marché parce que à partir de $400 ou capable acheter nouveau Xbox ça. Tandis que PS5 là qui sorti pratiquement dans même l'heure vend près de $800. Ça veut dire c'est $400 de différence en termes de prix entre Xbox One là avec
PS5 là. Ou après compte que tous les deux qui a joué même jouette yo a bay même graphique là mais yo vina avec différents prix. Et ça son gros avantage parce que différence là son différence énorme lié près de $400 de différence. Ou après compte le nouveau Xbox ça, yo fait des jouettes qui optimisés pour yo même. C'est-à-dire des jouettes l'ap jouer yo, l'ap jouer très smooth avec nouveau Xbox ça. Donc soit regarder dans librairie jouet tout, ou après compte que ou bien des séries de jouettes qui gagne un petit logo XS qui en bas à droite li. Ti logo sa sa vle di, XS sa, li ve di que jouet sa optimisé pour Xbox X la avec Xbox Series S la. Ou apren compte que Xbox Series S la, li vini avec 3 ports USB. 3 ports USB yo, ou apren gagne 2 derrière, après ça, li gagne yon devant. Sa port USB sa ou pral utile ou, si par exemple ou ta aimé augmenter capacité qui sur hard drive la, pa bliye li vini hard drive 7.2 GB, mais ou ta aimé installer un drive qui plus gros pour capable installer plus jouet parce que sou gen plus capacité. Si tu as installé plus jouet sous lui, en bien c'est un port USB ça yo pour connecter à drive là pour ta supporter jouet yo. Ou à prendre compte tout, li vini avec un port HDMI. Port HDMI là c'est lui pour permettre de connecter sur télévision. Télévision ou bien écran qu'on a brûlé pour connecter Xbox ça sous lui, c'est un port ça qu'on a connecté. Ou à prendre compte que li vini avec yon, ce qu'on appelle un storage expansion. Storage expansion ça c'est même concept par hard drive là. Microsoft développé yon sorte de hard drive qui très petit pour ta acheter pour mettre dans storage expansion là pour capable augmenter capacité qui bien sur Xbox ça comme ça tout ou ta va installer plus jouets sous lui et puis ou prendre compte tout pour ça c'est là ou connecter dans courant donc nous dit port internet li qui toujours vin avec si ou par exemple ou pas veut connecter sur wifi ou capable toujours connecter à un câble internet dans port ça la faire connexion plus rapide et plus stable. Est-ce que nous aimons Xbox ça? Faites comme dans les commentaires nous si nous aimons. Moi-même, je trouve que Xbox ça très intéressant parce qu'il vient avec un paquet de nouveaux avantages qui sont dans la technologie. Soit dans le Quick Resume qui permet de jouer, jouer, paquet de jouets sans qu'on pas besoin de retourner jouer la load. Il vient dans le nouveau hard drive qui permet de télécharger jouets rapide et puis tout l'op jouer loading time vraiment petit ou pas en même temps pour l'autre jouet là ouvert sous partie que l'op jouer rapide vite. Et puis tout, on l'autre bail moi même avec ces prix là, soit regarder on gros $400 de différence par rapport à PS5 là, nous trouver son gros avantage sur Xbox ça. Et ça moi même avec tout, il très petit. L'aile petit comme ça, il permet tout voyager avec sans problème. Ou ta mettre dans sac ou ta l'obra ta zamou ou besoin venir avec Xbox pour ta jouer à zamou ou ta jouer au FIFA, craser un petit match football, en bien Xbox ça tellement petit ou ta mettre dans sac à dos et puis ou ta zamou avec sans problème. Vous trouvez que il très léger, nous trouvez que ça son gros avantage lié. Donc, faites connaître de ça ne penser de nouveau Xbox ça. Quittez commentaire nous au moins, faites connaître que si remel et ça remel là-dedans. Moi-même, dis nous ça remel là-dedans déjà, nous trouvez que son très bon matériel lié. Merci frère Maxime de s'intéresser à cette vidéo ça. Pas oublier, si vous aimez cette vidéo, partagez la examine à la famille. Et puis tout, cliquez sur abonner, subscribe pour être capable de rebrancher sur le channel Panna, TechPam 509 et puis pour connaître toutes belles vidéos pour nous. Merci en pile.